comment bien aménager sa cuisine en angle. Cette vidéo, elle répond à cette question et vous allez voir pas moins de 5 exemples concrets de cuisine en angle, donc cuisine avec un plan en forme de L, qui vont vous donner les idées claires permettant d'optimiser l'aménagement de votre cuisine en angle. Avant de poursuivre, si ce n'est pas encore fait, téléchargez votre copie de la checklist rénovation. On va donc voir 5 exemples de cuisine en angle. On va voir à la fin de la vidéo les avantages et les inconvénients de ce type de plan. Donc, ne quittez pas et restez jusqu'à la fin. Donc, le premier exemple de cuisine en angle est une cuisine de 10 mètres carrés avec un très long plan de travail, ce qui est très fonctionnel évidemment, mais qui est aussi une cuisine un petit peu en forme de couloir parce que ici on a ce mur arrondi qui fait qu'on a moins d'1,40 m depuis le plan de travail de la cuisine jusqu'à ce mur-là. N'oubliez pas, vous pouvez trouver plus d'informations sur chacun de ces exemples de cuisine en angle et d'autres projets 3D également dans l'espace membre de mon site web. C'est une sélection de projets 3D avec un livret PDF que vous pouvez télécharger pour chaque. Ils sont classés par type de pièce qui vous permet de facilement naviguer, trouver ce qu'il vous faut. L'accès à l'espace membre, il est d'ailleurs offert pour toutes les personnes qui ont commandé un projet déco 3D ou une étude de faisabilité en ligne. Deuxième exemple, une cuisine en angle pour un petit appartement avec une chambre. Une cuisine en angle qui est fonctionnelle malgré la petite surface avec son coin repas qui sert aussi d'espace de télétravail. Elle est située dans une pièce de vie, le tout fait à peine plus de 20 mètres carrés. Troisième exemple, ici vous avez une cuisine en angle dans un appartement neuf de la région parisienne. Une cuisine ouverte sur la pièce de vie et le tout fait un petit peu plus de 25 mètres carrés. Ici, la cuisine en angle va se transformer progressivement en espace de télétravail aussi. C'est un tout petit coin bureau et un meuble TV pour le salon. Quatrième exemple, ici c'est un appartement en enfilade, donc toutes les pièces sont placées les unes derrière les autres et la cuisine c'est la pièce au fond de l'appartement qui va être en enfilade par rapport au salon qui est juste à côté et une claustra en bois vient faire la séparation entre le salon et la cuisine en L, une cuisine en angle avec un coin repas à l'intérieur. Cinquième exemple, ici c'est en T3, donc un appartement avec deux chambres pour un couple de retraités et donc leur cuisine en angle elle fait 20 mètres carrés et elle a aussi un espace repas, une cuisine très spacieuse et agréable qui est inspirée des cuisines américaines. C'est notamment un couple qui revient après plusieurs décennies d'expatriation au Canada, donc la cuisine elle est inspirée de leur cuisine assez spacieuse là-bas. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ces cuisines en angle? Évidemment comme avantage on va tout de suite voir ces espaces de plan de travail relativement longs, donc c'est vraiment une cuisine où vous n'allez pas vous demander où est-ce que vous allez mettre votre machine à café. Vous avez de la place sur le plan de travail et ça c'est bien sûr très appréciable. Mais évidemment, une cuisine en angle, elle va venir aussi avec certains inconvénients. Et très concrètement, un inconvénient, c'est aménager un meuble d'angle. Alors, évidemment, il existe des solutions dans le commerce hein, pour les meubles d'angle. Solutions sur pivot. Alors, si vous souhaitez connaître plus de détails sur un des projets que vous venez de voir ou tous les projets que vous venez de voir dans cette vidéo, sachez que vous pouvez le faire dans l'espace membre de mon site web. L'espace membre, c'est une sélection de projets 3D que j'ai faite pour vous. Ils sont triés par type de pièce et vous pouvez télécharger un livret PDF pour chacun de ces projets. Donc, c'est très, très pratique et très détaillé. Sachez aussi que si vous commandez un projet déco 3D ou une étude de faisabilité en ligne, eh bien, vous avez un accès offert pour la bibliothèque dans l'espace membre. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un petit coup de pouce bleu et n'hésitez pas à voir aussi celle-ci, une série d'exemples de cuisine avec îlot central.